Ou à droite. Bonjour à tous. On espère que vous allez tous. On espère que vous allez tous bien. Donc on est dehors, vous avez vu, on porte les masques. Hein. Les gestes de sécurité obligent à cause de toutes les règles qu'on nous a pondues ces derniers temps. Vas-y, tu dis bonjour. Bonjour les gens. Vous faites quoi en votre vie? Non, ne nous dites pas ce que vous faites dans votre vie, franchement. Donc là, en fait, on est sorti dans notre ville, qui est notre ville, on vous dira où c'est. Et on est parti voir, en fait, les décorations de Noël qu'ils ont installées. Parce qu'ils ont installé, tais-toi Yannis, s'il te plaît, 10 secondes. Ils ont installé des petits chalets où ils vendent la nourriture et autres, des décorations, des bijoux, tout ce que vous voulez. Il y a un manège gratuit pour les enfants. Alors c'est un tout petit manège, c'est juste de 2 à 8 ans. Donc vous voyez qu'on ne peut pas faire grand chose. Et qu'est-ce qu'on a été faire? Ah oui! On a été faire la photo du Père Noël avec les enfants. Et en plus, genre, c'est le vrai Père Noël et on a, et avait un manège. On a aussi pris du ciel qui est vraiment pas. Alors oui, j'ai voulu tester un truc. J'ai voulu tester le cidre chaud aux épices. Et franchement, pourtant je suis ouverte à goûter des tonnes de choses, hein, la preuve. Je suis ouverte à goûter plein de choses et en général j'aime assez. Mais là, c'est comment dire Inès? C'est vraiment pas bon. C'est horrible au goût. Non Yannis, s'il te plaît. C'est vraiment horrible. Alors, vous voyez, il y a le schtroumpf. Il y a... Elle est où? J'arrive même pas à la voir. Il y a la schtroumpfette, elle est habillée tout en noir, j'arrive même pas à la repérer. Il y a ma schtroumpfette qui est toujours aussi souriante. Donc il y a ma schtroumpfette qui est derrière. Il y a Yannis que vous entendez parler. Quoi? Tu veux dire quoi? Je veux dire, avec un manège en plus. Et il y a un Ryan. Ryan? Et je sais pas si on le voit, c'est où? Il est là. Donc, on vous montre, enfin vous les voyez, surtout derrière moi. En plus, je vais essayer de retourner. C'est un sapin. Voilà, c'est un sapin. En plus, donc en fait, je vais essayer de retourner le téléphone pour vous filmer un peu les décorations, les machins, parce qu'en fait, ils ont fait... Il n'y a pas de patinoire cette année. Donc, qui dit pas de patinoire? Ils se sont lâchés sur les sapins. C'est un truc de folie. Il y en a partout. Donc, on va vous montrer ça. Et après, on va rentrer à la maison parce qu'en fait, il brouillasse et ça, il fait assez froid. Donc, à toutes. Donc, vous voyez, c'est un sapin cadeau. Et là, c'est le château de... Le château d'Orléans. Non, parce que je dis jamais la ville. Le château de Harry Potter. Ah, désolé. Le château d'Harry Potter. Bon, on coupera la ville au pire. Donc, vous voyez, là, les petites maisons, elles sont en train de fermer parce qu'il doit être 19h. Si je me plante pas. Non, il y en a plus. Oui, mais et regardez. Non, il n'y a plus de crêpes. Oui, Inès. Non, bah, on peut. D'accord. Regardez. À moins que tu veux que je t'en fasse. À la maison. Toujours notre magnifique fontaine. Donc vous avez vu, on avait fait des photos d'Inès devant. Ouais, j'avais sauté dedans. Et bon, c'était en plein été. Hein. Ouais, je dirais que non, là. Ouais, mais il était 1h du matin et la fontaine, elle devait être très très ouais. Donc voilà. Toutes les petites maisons qui sont. Là, il y a des gens qui font des, voyez, des décors sur les machins.